Good morning, allez, Eden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Moshe Michael Ben Alin Bachla Rachel, Peggy Bat Esther, Robert Baruch Ben Jamil Taraba Cohen, Claude Shlomo Ben Shalom, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous irons le Sechet Sota, Perek Dalet, Mishnah Gimel Meu Beret Havero, ou Meneket Havero, Lo Shotot, Velo Notlot Ketuba, Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Yachol Hu Le Afrisha. Ou le achzira, le achar, zman, aylonit, uzkeina, veche eina, reouya, le yaled, lo shotot, velo notot, ketuba, rabbi yezer omer, yachol ou lisa isha cheret, velifot, velirbot, hemena, ou char akol anashim, o shotot, o lo notot, ketuba. On continue le sujet déjà ouvert depuis le début du chapitre, à savoir qu'il y a des femmes que si le mari les avertit, alors. De ne pas s'isoler avec un homme, alors ces femmes-là, si jamais elles se sont isolées, eh bien, elles auront le dos, elles ont perdu leur ktouba, et elles ne pourront pas non plus boire pour vérifier leur, pour vérifier est-ce qu'elles étaient pures ou pas. Je m'explique un petit peu mieux, principe déjà évoqué déjà plusieurs fois, mais je le répète de nouveau, lorsqu'un homme se marie, il s'engage avec, dans le contrat de mariage, la ktouba. Lorsqu'on est la ktouba, c'est un engagement des deux côtés, qu'est-ce que l'homme doit faire à la femme, qu'est-ce que la femme doit faire à l'homme, les différents travaux que la femme doit faire, tout ce qu'elle doit lui donner, tout ce que le mari s'engage à lui faire en retour, et notamment aussi, on prévoit déjà la situation en cas de séparation, qui peut être soit lorsque le mari va divorcer, soit lorsque le mari va mourir, d'accord. Et il s'engage que lorsque je vais te divorcer, ou si jamais je te divorce un jour, ou si jamais il décède avant elle, il devra lui donner 100 000 euros. C'est ce qui s'est engagé, c'est la dot, c'est ce qui s'est engagé à lui donner. D'accord? Donc, en cas de divorce, si jamais il y a un problème, le mari, il doit donner cette dot à la femme, sauf si la femme a manqué à son devoir de femme. Elle est engagée, il y a de la rote, on le sait dans le bot longuement, la femme est engagée par certaines choses, et notamment d'être fidèle à son mari, c'est la base. Et si jamais la femme, elle fait quelque chose qui manque de fidélité avec son mari, alors elle est pour le moment... Non, si elle a fauté, bien sûr, on la divorce sans lui donner de ktouba. Si jamais elle a fait quelque chose de pas joli, elle s'est isolée, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et que le mari, maintenant, il ne peut plus continuer à vivre avec elle, parce que pour le moment, elle lui est interdite. Alors, en théorie, on a une solution simple. Bon, pour le moment, elle s'est mise en porte-à-faux. À elle de prouver qu'elle est propre, d'aller boire les eaux de la Ktouba. Les eaux de la Sota. Si jamais elle a, pour une quelconque raison, une impossibilité de boire, c'est pas la faute du mari, comme les sœurs en quand même comme on a vu certains cas dans la Mishnah précédente, mais là c'est parce que concrètement ils sont en situation où de toute façon ils n'ont plus le droit de vivre ensemble, alors il s'avère que maintenant, lorsqu'il va la divorcer, il ne va plus lui donner la ktouba, parce que pour le moment elle s'est mise en porte-à-faux, elle a fait quelque chose de pas normal, on a impossibilité de vérifier, vous connaissez la grande règle, déjà de Amosim Chavero à la Varaya, c'est un petit peu nuancé, on ne va pas entendre les détails, est-ce que ça va pas, il n'y a pas de rapport avec Bachama et Bethiel et la Mishnah précédente, là la femme elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, elle a impossibilité de vérifier, donc le mari va la divorcer sans lui donner la ktouba. D'accord? Ça, c'est le principe général qu'on a vu sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes, avec à présent, maintenant, on va voir deux situations dans notre Mishnah. La première, qui vont tourner autour du même principe, mais avec des petites nuances. Vous savez que le mari a le devoir d'apporter des enfants sur terre. Un garçon et une fille, c'est le strict minimum. D'accord? Et le mari, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour le plaisir, on se marie par mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Comment elle s'appelle cette mitzvah dans la Torah? Peru, urvu, umino et tares, vechiv shua. Se multiplier. Or, et la femme n'a pas ce devoir de peru, urvu. Un homme a le devoir de se marier donc avec une femme qui est apte à lui amener des enfants. Premièrement. Ça va être la deuxième partie de la Mishnah. Se marier avec une femme qui est apte à lui amener des enfants. Se marier avec une femme stérile, il n'a pas le droit de se marier avec une femme stérile, sauf s'il a déjà des enfants, sauf s'il a lui-même une impossibilité. Je ne parle pas du cas où ils sont déjà mariés et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils se retrouvent ensemble. Je parle, a priori, est-ce qu'on a le droit de se marier avec une femme comme ça? A priori, on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui ne peut pas amener des enfants, même si elle est très gentille, une très grande syndicat, et même si on va faire des tefilotes, laisse les tefilotes pour, en cas de problème, pas, on ne se rentre pas dans les problèmes, après on réfléchit qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. D'accord? Ça, c'est la base, ce sera le deuxième principe de Mishnah. Il y a à part ça, autre chose.
Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. On va voir exactement comment est-ce qu'on fait. Un homme qui se marie avec une femme qui ne peut pas lui amener des enfants. Est-ce que maintenant, vous comprenez le principe? Est-ce que il se marie avec une femme qui ne peut pas lui amener des enfants? Selon la halakha, il ne peut pas rester marié avec cette femme, il doit prendre une autre femme. Du coup, il a averti que malgré tout, qu'elle ne s'isole pas, elle s'est isolée. Est-ce qu'elle peut boire ou pas? Le principe des eaux de la sota, c'est de faire boire la femme. On va faire quelque chose de très grave, d'effacer le nom d'Hachem pour lui faire boire, avec, dans le but que maintenant, ils vont revivre Béchalom. Si de toute façon, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, alors on n'a pas d'intérêt à effacer le nom d'Hachem. On va leur dire, ben, tu divorces, ah, tu t'es isolé, ben, tu as perdu ta ktouba. D'accord? C'est la base. Ça va être la deuxième partie de la Mishnah, on va le revoir plus après dans les détails. La première partie de la Mishnah va parler d'une situation un petit peu différente. On va parler d'une femme qui est en ce moment soit enceinte, soit en train d'allaiter son petit. Quelle est la singularité de ces femmes? Ces femmes-là sont des femmes qu'elles ne peuvent. Il ne faut pas qu'elles tombent enceintes. Il ne faut pas qu'elles tombent enceintes, pour quelle raison? Alors, ça déjà, première situation, c'est Meuberet Havero. Meuberet Havero, c'est une femme qui est déjà enceinte de son ami, de quelqu'un d'autre. Maintenant, il n'y a pas d'interdit à se marier avec une femme enceinte, en théorie. Un homme peut se marier avec une femme enceinte de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, dans la mesure où on sait que le fils qui va y avoir, c'est le fils du premier, c'est pas le fils du deuxième. On a une situation à éviter violemment, c'est de confondre, de ne pas savoir qui est le petit, s'il va se marier avec la divorcée, avec une divorcée, dans le mois ou les deux mois qui vont suivre son divorce, on a peur qu'elle le tombe enceinte, et on ne va pas savoir ce que c'est le fils du premier, c'est le fils du deuxième. Ça peut faire des problèmes de mamzerim, si elle veut se marier avec quelqu'un de la famille de l'un, de la famille de l'autre, ça peut faire des grandes histoires. Mais si toutefois, en théorie, elle a passé déjà 4 mois, 5 mois, on remarque qu'elle est enceinte. En théorie, j'ai pas de problème de me marier avec cette femme. Elle va avoir un enfant qui va pas être le mien, c'est pas grave, j'ai le droit d'avoir des rapports avec elle, aussi, aucun problème, en théorie. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il peut y avoir ici du danger pour le bébé. De deux choses l'une. Soit, si elle est déjà enceinte, à l'époque, une femme enceinte pouvait encore tomber enceinte. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, une femme enceinte ne peut plus tomber enceinte. Mais à l'époque, c'était encore possible, je ne sais pas dans combien de temps après le début du premier mois, mais qu'elle retombe une deuxième fois enceinte. Et on avait une crainte que si elle est, que le mari, d'accord, premièrement, on prend d'abord ça comme une donnée, une femme enceinte pouvait tomber enceinte, on craint que maintenant, si jamais je vais avoir un, elle va tomber enceinte de moi, que maintenant, moi, elle va tomber une deuxième fois enceinte à cause de moi, et que lorsqu'elle va se retrouver avec les deux embryons, alors là, il y a un problème. C'est qu'il peut y avoir une situation où le deuxième va tuer le premier. Il va l'écraser. Shema Teaseh Ubara Zandal. Ne me demandez pas ce que c'est, mais comme ça, c'était à l'époque, que ça rapportait de partout dans la Gemara. C'était des choses qui existaient, où le deuxième fœtus va écraser le premier. Le développement du premier fœtus va écraser le premier va mourir. De ce fait, Chachamim ont fait un décret qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme enceinte de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle est enceinte de lui, il a le droit d'avoir des rapports avec elle, même si elle risque de tomber enceinte. Il y a des solutions pour ça, pour éviter qu'elle ne tombe enceinte, justement. Mais concrètement, lorsque c'est quelqu'un, le fœtus de quelqu'un d'autre, on craint qu'il va faire exprès de tout faire pour qu'elle va tomber enceinte, pour qu'elle va tuer le premier embryon. Ramène au fin de décret, tu ne te maries pas avec la femme enceinte de quelqu'un d'autre, d'une part. Deuxièmement, une femme, lorsqu'elle accouche, pendant 24 mois, elle allait son bébé. Si elle retombe enceinte ensuite, alors le lait s'arrête à un moment. Très rapidement, ça s'arrête. Ramène-moi enfin un décret aussi. Lorsque une femme, elle a un bébé de quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit de me... et qu'elle est en train de l'allaiter, j'ai pas le droit de me marier avec cette femme qui allait. De peur que qu'elle va retomber, que je vais la mettre enceinte, et qu'après, elle n'aura plus de lait. Et lorsqu'il va falloir nourrir ce petit, je ne vais pas vouloir lui donner à manger, moi, ça me coûte trop d'argent cette histoire. Acheter des boîtes de Materna, c'est pour le fils de quelqu'un d'autre qui se brouille avec son père. Eux, ils sont encore en dispute tous les deux. Il va pas. On va se retrouver avec un enfant qui va mourir de faim. Ramon fait un décret aussi. Mais Neket Ravero, la femme qui allait le bébé de quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit de me marier avec elle pendant les 24 mois qu'elle est en train d'allaiter. De ce fait, je me suis marié avec une femme comme ça. Alors, venons d'analyser ensemble ce qui se passe. Je me marie avec une femme comme ça, mais que je n'avais pas le droit de me marier avec elle. Maintenant, malgré tout, on a une solution simple. Il n'y a pas d'interdit de se marier avec une femme en l'état. Il n'y a pas intrinsèquement. Concrètement, dans la situation actuelle, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, comme si elle est Nida pendant deux semaines, tu n'as pas le droit de te marier avec elle aussi. Eh bien, c'est pas le même principe. Pour le moment, pendant 9 mois de grossesse, 24 mois où elle l'allait, ça va, d'accord, on a une limite. Donc,
Tu te mets avec elle de manière interdite. En théorie, tu pourrais la mettre sur la touche, tu la renvoies chez ses parents, tu repars vivre toi chez ta mère, t'attends patiemment pendant 24 mois, 9 mois, 24 mois, et puis après tu pourrais reprendre cette femme. Vous comprenez la difficulté, le point sensible. Donc j'ai une femme que maintenant, je me suis marié avec une femme que je n'avais pas le droit de me marier avec elle, mais concrètement, en l'état, temporellement, on va dire comme ça, temporairement, je peux pas me marier avec elle. J'ai transgressé, je me suis marié avec elle. D'accord, j'ai transgressé la vie de Khachamim. Après, cette femme-là a commencé à mal se conduire, je l'ai vue s'isoler avec quelqu'un, je l'ai avertie, elle s'est isolée. Est-ce que maintenant, je peux la prendre pour l'amener au Beit HaMikdash pour la faire boire? En théorie, en l'état, je ne peux pas la maintenir. Passer 24 mois, je pourrais la reprendre. Est-ce que je peux la reprendre? Khachamim vont dire, mais il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, puisque cette femme n'est pas intrinsèquement interdite, tu pourras la garder, la faire boire au Beit HaMikdash. Juste, concrètement, c'est une solution de contourner cet interdit, de freiner cet interdit, en vous séparant temporairement, pendant les 24 mois, et puis après tu pourras la reprendre. Ça évite Khachamim. Selon Rabbi Meir, il y a une grande règle dans toute la Torah, que lorsque Khachamim ont fait un décret, ils ont renforcé leur décret encore plus violemment que les interdits de la Torah. Khachamim ont dit, si tu es avec une femme comme ça, tu n'as plus le droit de rester avec elle, tu dois les divorcer, tu ne pourras plus jamais te marier avec elle. Ouais, tu ne peux pas la laisser sur la touche pendant 24 mois et être marié avec elle, c'est fini. Tu as transgressé, on t'interdit. Selon ce principe, Rabbi Meir, il va interdire à cette femme de boire, en l'occurrence, si elle va s'isoler. Et si elle va s'isoler et qu'après on ne va plus pouvoir la faire boire, le mari va la divorcer sans lui donner la ktouba. Vous avez compris? On traduit tout ça dans les mots, regardez. Mais au Béret Travero, une femme qui est enceinte de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, de son ami. Or, ou Meneket Travero, ou une femme qui allaite le petit de quelqu'un d'autre. C'est une femme pareille. Si elle s'isole, l'oshotot de l'onotlot ktouba. Ni elle pourra boire les eaux de la sota, et ni elle prendra sa ktouba si jamais elle va divorcer. C'est-à-dire, en fait, si elle s'est isolée, on ne pourra pas la faire boire, et je devrais la divorcer sans qu'elle reçoive sa ktouba. Divrei Rabbi Meir, telle est la vie de Rabbi Meir. Vachachami Morim, yacholou le africhar, il peut se la séparer, l'éloigner, ou le harzira, le harzman, et après, lorsque la période de séparation des 24 mois elle passera, tu pourras la reprendre. Donc de ce fait, tu peux, dans ce cas-là, la faire boire. Ok? Est-ce qu'il faudra attendre 24 mois pour la faire boire ou pas? Je sais pas. J'ai pas vu que c'était écrit. D'accord, on continue. Deuxième situation maintenant, c'est ce qu'on a expliqué dans la première partie de la Mishnah. Comme première partie de l'explication. Aïlonite, une femme qui est stérile parce qu'elle développe des signes d'homme. Elle a chromosome X en bon français biologique. Et donc, elle a Aïlonite, c'est qu'elle a c'est une femme qui a aussi des traits d'homme, elle n'a pas de développement normal d'une femme. Elle a des hormones d'homme aussi qui font que maintenant elle est foncièrement stérile dans la nature, dans ses gènes. Ou encore Uzkeina, ou une femme qui est déjà ménopausée, elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Le She'ena Reouya, l'Eled, ou tout simplement une femme qui n'est pas apte à avoir des enfants parce que, comme Rachid, comme les Mefarchim expliquent, elle a bu un Kos Shel Ikarin. Un verre qui rend, une lotion qui rend les femmes stériles, ça existait à l'époque, on en parle fréquemment dans la Gemara. Toutes ces femmes-là, leur point commun sont des femmes qui ne peuvent plus avoir des enfants. Je me suis marié avec une femme comme ça, alors que je n'avais pas accompli ma mitzvah de Piria Viruvia. Attention, j'ai la possibilité malgré tout de maintenir cette femme si je prends une deuxième femme. Cette femme-là, j'ai pas le droit de me marier avec elle si c'est juste elle ma femme. J'ai pas non plus l'obligation de les divorcer. Mon devoir, c'est de me marier avec une femme qui est apte à avoir des enfants. Si à cause d'elle, je peux assumer qu'une seule femme, je vais l'obligation de divorcer pour en prendre une deuxième femme. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors ce sont dans la Mishnah qui va me dire, l'oshotot velonotot ktuba. Si jamais maintenant, cette femme-là, qui était stérile, elle s'est isolée. Le mari l'a prévenue auparavant, elle s'est isolée. Et après, maintenant, elle lui est interdite, parce qu'elle l'a avertie. Alors, entre oui, on a quoi comme solution? Viens, on va au Beit HaMikdash, on va vérifier si t'es propre. Tu vas boire les eaux de la sota. Là, on ne peut pas l'amener voir les eaux de la sota parce que. Kadosh Baruch Hu, il me dit non, divorce cette femme, ne reste pas mariée avec elle, t'as pas le droit de rester avec elle. Ouais, vous avez compris? Puisqu'elle n'est pas apte à m'amener des enfants, même si je ne savais pas avant que je me marie et tout ça, maintenant, elle n'est plus apte à être maintenue en tant que femme essentielle de la maison.
Hachem n'a pas d'intérêt, non, la Torah n'a pas d'intérêt à favoriser, à permettre, à c'est lui faire boire les eaux de la Sota, parce que de toute façon, j'ai pas le droit de la maintenir. Si j'ai pas le droit de la maintenir, alors elle ne peut pas boire les eaux de la Sota. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Après, on va expliquer un petit peu mieux, un petit peu sensible. Donc ça, c'est l'eau Shotot ou l'eau Notoktuba. Même principe, elles ne boiront pas les eaux de la Sota et ne prendront pas la Ktuba. Rabbi Eliezer, on va attendre que Rabbi Eliezer, ma pitom. Rabbi Eliezer me dit, Yachol Hulisa Isha Acheret, Velifrod Velirbotemena. Il n'y a aucun problème à maintenir cette femme. On n'a rien contre elle. On a quelque chose pour autre chose. Ouais, dans la vie, il faut faire attention. Est-ce qu'on a contre quelque chose ou on a juste un autre intérêt, qu'on veut quelque chose d'autre de toi? Là, on n'a rien contre cette femme-là, en soi-même. Maintiens-la si tu veux, mais prends-toi une autre femme. Dans ce cas-là, cette femme-là, elle n'est pas foncièrement interdite. C'est un problème technique qui fait que tu ne peux pas rester avec elle. Prends-toi une autre femme et on te la permet aussi. Donc, dans ce cas-là, puisque cette femme-là, elle t'est permise, alors tu ne pourras pas, tu pourras la faire boire les eaux de la Sota, selon Rabbi Eliezer. Rachamim pense que malgré tout, à la différence du cas premier où la même femme, elle a une situation où elle devient permise. Cette femme-là, pour le moment, tu l'as mariée de manière interdite, c'est pas un mariage que la Torah cautionne, favorise, agrée. On n'a pas d'intérêt à la maintenir à elle en l'état. S'il avait une femme, c'est comme ça, ça sera rapporté dans l'Yerushalmi, si je ne me trompe pas ici, exactement, que Bisham Tosfot, je ne le retrouve pas là tout de suite, qui rapporte que si. C'est grave, Rabbi Kiveger, il rapporte, je crois que c'était au Moutosot, que s'il s'était marié auparavant avec une autre femme, alors là, le mariage avec sa deuxième femme, il n'y a aucun problème, au contraire même. Pourquoi ne pas aider une autre femme qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants? Elle peut quand même, il n'y a pas de problème à la prendre, si elle avait déjà une autre femme. Mais si sa seule femme qu'elle avait, c'était une femme que on ne voulait pas que tu te maries avec elle. A priori, c'est pas mon mariage, c'est pas un mariage qu'on veut maintenir. Même si après coup, maintenant qu'il a déjà averti, entre-temps, il a pris une deuxième femme, c'est trop tard, le quinouille que tu lui as fait, là, quand il a averti, ce n'était pas un avertissement normal pour une femme qu'on favorisait ce mariage, donc dans ce cas-là, tu n'as pas eu le droit de l'amener au Beth Amikdash, donc dans ce cas-là, elle va sortir, elle ne va pas recevoir de Ktouba, c'est le pshat, c'est la raison de Chacham. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fini d'expliquer toutes les femmes, il y a des femmes qui vont boire, sans recevoir, et boire, ou bien renoncer à la Ktouba, des femmes qui vont recevoir la Ktouba et ne être en possibilité de boire, vous êtes d'accord, et des femmes qui vont ni boire ni recevoir la Ktouba, et la Mishnah, c'est ce qu'on a vu depuis le début du chapitre, la Mishnah conclut maintenant, Ushar Konashim, et toutes les autres femmes qu'on n'a pas incluses dans les trois précédentes Mishnayot, eh bien, Oshotot, Olonot la Ktouba, elles auront le choix, soit elles boivent, les eaux de la Sota, on les amène au Benagdash, on fait tout le rituel, ou sinon, si elles préfèrent ne pas monter au Benagdash et tout ça, il n'y a aucun problème, on la divorce, mais l'autre Ktouba, elles n'auront pas le droit de boire la Ktouba, de recevoir la Ktouba. Soit elle boit pour vérifier, soit si elle ne veut pas vérifier, ou si, eh bien, ou bien dans ce cas-là, si elle ne veut pas vérifier, elle ne recevra pas la Ktouba. Puisqu'elle a la possibilité de recevoir sa Ktouba, ouais, on s'est compris. Au Shotot, au l'autre Ktouba, donc on lui laisse la possibilité à la femme de décider elle-même qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub, c'est là.